ma passion pour le camion, pour le transport, pour tout ce qui est mécanique, ça démarre de mon enfance, puisque que ce soit mon papa ou mes tontons, ils ont toujours été dans mécano, chauffeur. Mon père, ça a été une des premières bennes qui a été posée à Toulouse, il était aussi transporteur ici. Donc les bus, les camions, les bagnoles, j'ai toujours tourné là-dedans. Quoi. Mais la passion, comme elle a démarré très tôt, mais avant d'avoir l'âge d'avoir le permis, j'étais mécano poids lourd. Donc après, dès que j'ai pu avoir mes permis, je partais déjà avec, avant le permis, je partais déjà avec mon père, tout ça, voilà, on faisait déjà du frigo. Et dès que j'ai eu les permis, bon, ben, j'ai attaqué jusqu'au jour d'aujourd'hui. Mais, apprenti chauffeur, chauffeur, mécanicien poids lourd et pour finir transporteur, tout simplement. On fait essentiellement du frigo, je fais un petit peu de conteneur, mais voilà, pas trop, j'ai arrêté, donc je suis resté dans le frigo. J'ai 16 ensembles qui roulent tous les jours. Et après j'ai 3 camions de passe et l'ancien qui est là. Donc sur mes 20 camions, j'ai 17 DAF et 15 frigos. Voilà. Mais, depuis le début, un jour, je me retrouve à rouler en DAF. Et j'arrive ici pour faire les entretiens, les réparations, donc je fais la connaissance de toute l'équipe. Certains, ça s'est passé dans les années 2000, certains sont encore là pour en parler. Et puis une relation copain, pote, s'est installée. Donc quand je viens ici, je n'ai pas l'impression de venir au garage, puisque le café, la choco, manger avec eux, on a été plus loin, quoi. Voilà, jusqu'aujourd'hui. Donc quand je suis arrivé ici, y avait monsieur Didier Frauberger. C'est grâce à lui que je suis là aussi aujourd'hui, c'est lui qui m'a lancé. Et j'ai toujours pris soin de mes camions. Je prenais mieux soin de mes camions avant en tant que chauffeur que maintenant en tant que patron, puisque j'ai moins le temps. Et chaque fois que je venais ici, d'ailleurs chez Transprime Express, à chaque fois il venait me voir, il fait « Sam, c'est quand tu te mets à ton compte ?» Et puis au fur et à mesure, il venait me voir, il me dit « Alors tu te mets à ton compte, c'est aujourd'hui. » Et un jour je suis venu le voir, et c'est la première personne sur qui je suis tombé, c'est lui, il me dit « Alors, toujours pas bon, toujours bon, comment on fait ?» Et je dis « C'est bon, je suis là pour ça. Je suis là pour mettre à mon compte. » Il me dit « Viens, monte, on va discuter. » Donc on a été dans son bureau à Didier et il m'a dit « Avec qui tu veux travailler, comment on veut faire ?» Il m'a proposé ce qu'il me fallait et il m'a financé et on a démarré STS avec lui, quoi. Alors tous les camions, en plus, bon, je démarrais avec un DAF qui sortait d'ici, acheté ici. DAF, ils m'ont aidé, financé et tous les camions, mis à part le 33 qui vient d'Hollande, du garage Verspuig, c'est un projet que j'ai fait avec mon ami Govert. Très bon accueil d'ailleurs, parce que même en Hollande, DAF est fidèle à eux-mêmes. Et du coup, tous les autres, que ce soit le bleu Renault, que ce soit le 33, que ce soit, ça reste du DAF, mais ils ont tous été préparés ici à Toulouse. Après, ici, on a fait le Repsol. On a fait un rouge d'une grande marque italienne, on en a fait d'autres, on en a fait aussi un vert d'une marque aussi italienne qui commence par une lettre et qui finit par un I, on ne dirait pas de nous. On en a fait plein, on a fait deux couleurs, trois couleurs, parce que chaque camion il est unique, même s'ils se ressemblent tous, c'est comme mes conducteurs. Ils sont tous pareils, ils sont tous uniques. Et quand on fait quelque chose, on a déjà un projet, on ne le fait pas par hasard. Un camion, c'est une histoire. Voilà, ça part de là. Chaque camion, une histoire, une raison. Rien n'est fait au hasard. Chaque détail compte. Ce qui a déterminé mon choix pour le NGD, pour le New XF, un XG, c'est d'abord la conso, puisqu'aujourd'hui le gasoil, je vous cache pas que c'est le nerf de la guerre. Un litre, ce n'est qu'un litre, multiplié par les 250 000 km par an qui fait le camion, c'est énorme. Sur 3 ans, on s'y retrouve, donc il y a la conso, mais il y a aussi le confort, puisque DAF, ça a toujours été confortable. Et au jour d'aujourd'hui, il est encore plus confortable qu'avant, quoi. Alors du point de vue du conducteur, puisque moi je roule encore, voilà, bon, je roule pas souvent avec des véhicules neufs parce que j'ai toujours une préférence pour les véhicules old school, comme le 95. Mais en prenant le XG+, quand je me suis assis sur le lit thérapeutique, massant les sièges qui sont climatisés en été et chauffés en hiver, je me suis dit, putain, mais maintenant, les gars, ils sont pas payés qu'à travailler, ils sont aussi payés à avoir du confort, puisque le mec, il a 2 frigos, il a une clim de nuit super efficace, il a un lit qui se plie, ils ont tout, quoi. Donc le transport, il a changé. Au jour d'aujourd'hui, on a vraiment des outils faits pour travailler. Le chauffeur, il part, il a de la place, il a du confort. Et je pense que certains chauffeurs sont plus confortables dans un DAF que chez eux, quand on voit l'intérieur de la cabine actuellement. J'en ai eu un essai en avril. Alors mon bilan conso depuis avril, c'est en moyenne 1 litre
1,5 litre de moins que sous les XF, sous les 530, pour faire exactement le même boulot, donc même chauffeur, même remorque, même relais, même client, bon, sensiblement quelque chose, parce qu'on n'a jamais les mêmes palettes, mais en gros, on fait le même boulot, sur la même distance, en prenant les mêmes routes, et minimum 1 litre de conso, quoi. Ce qui me permet même d'avoir mis une grosse enseigne plate qui consomme sur l'XG, puisque bon, même si le litre que je gagne, je le perds avec l'enseigne, au moins, il sert à quelque chose, la conso, quoi. Sous le prochain, mais ça sera en DAF. Déjà, je fais une petite parenthèse parce que le service DAF, il est GSVI, mais il n'est pas qu'à Toulouse, puisque moi, je fais beaucoup de Paris, Perpignan-Paris. Donc, à Perpignan, ils sont très bien. À Toulouse, bon, on en a déjà parlé. À Limoges, on a le garage Brandy, que voilà, Brandy, c'est le record de temps de dépannage. C'est DAF en toute sa puissance. Camion de prêt, solution, pièces de rechange, n'importe quand dans la nuit, je parle perso, on a déjà été dépanné des dizaines de fois. Il y a toujours une solution. Chez DAF, en fait, c'est ça le problème, c'est que ça règle tout. C'est que même selon une galère, comme toutes les marques, eh bien, ils ont toujours une solution. Et le but, c'est que notre remorque, la marchandise du client, elle ne s'arrête pas. Voilà, on arrive, quoi qu'il se passe, DAF, il trouve la solution. Il nous prête, il nous loue, il répare. Voilà, mais le client, DAF, ils apportent toujours quelque chose au client. Donc, mais par contre, l'XG, on a la cabine qui est un peu plus grande que les autres. On a ces fameux deux frigos, on a la conso. On a tout ce qu'il faut, quoi. Donc pour moi, aujourd'hui, l'XG, c'est le camion du futur. C'est le camion qu'il faut. Voilà encore un autre qui arrive. Donc ça, c'était un FCP. C'est un camion qu'on a fait avec GSVI. Et avec Gauthier Calvé, bon, mais depuis le temps qu'on se connaît, on se connaît depuis que je suis chauffeur aussi, donc on travaille déjà ensemble en tant que chauffeur. Et après, les affinités, maintenant c'est un ami. Et puis quand on a fait la série, quand ils ont fait la série FCP, j'étais présent. Par hasard, hein, j'étais chez FCP juste pour acheter des pièces, j'étais en train de faire le projet. Et j'ai commandé le premier, et puis voilà, le numéro 1, le premier FCP, il est là. Encore un projet que j'ai fait avec, avec DAF, avec notamment GSV Toulouse. D'ailleurs, le premier XG Plus que j'ai eu, le seul d'ailleurs que j'ai, puisque voilà, il a été fait avec Julien Daponte, il a été réalisé ensemble. Et tout ce qui est, même pour optimiser les consommations, avec Stéphane Fougiatax et Sébastien Chaumont, c'est mes vendeurs, on va jusqu'à trouver le bon rapport de pont pour faire le boulot. Parce que si vous faites du lourd, du léger, du centre, de l'est, il faut savoir aussi adapter. Voilà, si on cherche la performance, il faut adapter le matériel au boulot qu'on fait. Parce que dans la config, vendre des camions, tout le monde sait faire. Tout le monde est capable de vendre un camion. Par contre, vendre le bon camion pour faire ce boulot, ça c'est plus compliqué. Parce que pourquoi ce camion il va consommer plus et pas celui-là, alors que les deux c'est des DAF. Les deux ils font le même boulot. Et pourquoi il y en a un qui consomme plus que l'autre? Parce que un, il n'a peut-être pas les bons pneus, il n'a peut-être pas le bon pont. Nous, ça nous a mis du temps avec Stéphane Fogliata, ça nous a mis du temps à étudier la question. On en a essayé plusieurs, même sur le XG, XG+. On a deux ponts différents. Lui XG, ce camion, quand je l'ai eu à l'essai, c'était pas le même rapport de pont. Donc sur celui-là, on a changé le pont. Donc c'est un pont qui est vraiment adapté. Moi, je fais du frigo, du primeur. On n'a pas le temps. Ils sont deux chauffeurs par véhicule. Les camions, il fait 250 000 bornes dans l'année. Donc on monte par l'avant. Donc on a des côtes, on a du poids. Il faut adapter. C'est en adaptant aussi le rapport de pont, la taille de pneumatique. On va un petit peu sensibiliser aussi les chauffeurs à la conso. C'est comme ça qu'on arrive aussi à sortir la performance, parce que c'est pas le camion qui fait l'homme et c'est pas l'homme qui fait le camion. Donc il faut vraiment adapter les deux. Voilà, il faut adapter les deux. Vous mettez un bon chauffeur dans un camion configuré correctement, forcément vous allez avoir de la performance. Pour finir, j'aimerais faire un gros clin d'œil pour commencer à monsieur Didier Frouberger, parce que c'est un grand monsieur, c'est lui qui m'a lancé. À côté de ça, évidemment, leur patron Mario et Julien Daponte, toute la famille Daponte. Aussi l'atelier, parce qu'ils ont toujours été, présents. Même les gars qui sont là depuis 20 ans, ils peuvent encore en témoigner, que ce soit Alex, Christophe, qui était avec moi à l'école d'ailleurs, Christophe au magasin chez DAF. Et puis aussi au garage Verspuy en Hollande, ils ont été vraiment professionnels et efficaces. Grâce à eux, j'ai visité le musée. On a fait le 33 ensemble, ce qui nous a permis vraiment de faire connaissance. Et après, au garage Brandy, Sylvain Brandy à Limoges, c'est deux garages. C'est vraiment le garage. C'est, voilà.
pour que ça soit pour l'entretien ou pour dépanner, c'est quelqu'un de sûr. Vous pouvez compter sur lui, quoi. Donc voilà, toute la team DAF, toute la team que j'ai toujours côtoyée depuis 20 ans, ceux qui sont encore là et ceux qui sont en retraite ou partis ailleurs, voilà, merci. Mes salariés, si je fais des camions aussi comme ça, moi je ne peux pas conduire tous mes camions, donc si je fais des beaux camions, c'est parce que j'ai des bons chauffeurs. Et comme j'ai toujours dit, ce n'est pas le camion qui fait l'homme, c'est le pilote au volant, c'est le chauffeur qui fait vraiment tout. Donc, STS, sans les salariés et sans mes chauffeurs, je ne serais rien, je ne serais pas là aujourd'hui. Donc oui, je voulais remercier mes chauffeurs. C'est une équipe, mes chauffeurs ils sont comme mes camions. Ils sont tous différents, alors qu'ils sont tous pareils, font le même boulot, ils ont tous leur caractère, qu'ils soient du plus jeune au plus vieux. Merci à vous et j'espère les garder longtemps, puisque STS, c'est pas moi en fait. STS, c'est eux, c'est les camions, c'est un tout. J'ai créé STS, mais sans la marque DAF, sans les camions, sans mes chauffeurs, sans mon papa. Mon papa, il fait toujours partie de ma société. Parce qu'à 74 ans, il ne se voit pas à la retraite. Donc mon père, il roule toujours chez moi. Lui, il préfère les anciens camions. Mais mon papa aussi, merci d'avoir fait de moi un homme que je suis. C'est grâce à toi que je suis là, quoi. Donc, j'ai rien d'autre à ajouter.